Dans cette vidéo, Inch'Allah, on s'intéresse par la correction, ou bien la partie 2 de la correction de l'exercice 4. Donc, maintenant la question 3, si on déduit que le point I d'abscisse X0 et d'ordonnée F de X0 est un point d'inflexion de la courbe C, c'est-à-dire de la courbe de la fonction F. D'après la question, donc comme question C, 3C, d'après la question 3B, donc d'après la question 3B, on a montré que pour chaque X, quel que soit X à partir de l'intervalle, 0, 1, ou X différent de X0, on a F second de X sur X moins X0, il est strictement positif. Ça veut dire strictement positif que les expressions, ou bien l'expression F seconde et X moins X0 de même signe. Donc, F seconde, X et X moins X0 de même signe. C'est-à-dire soit F seconde de X positif ou X moins X0 positif, ou bien F seconde de X négatif ou X moins X0 négatif. C'est-à-dire le signe de F seconde dépend de signe X moins X0. Donc, le même signe. Donc, le signe de F seconde est le signe de quoi? C'est-à-dire le signe de F seconde de X est le signe de quoi? Et le signe de X moins X0. On fait maintenant le tableau de signes. X, 0, 1, si c'est X0. Donc on sait que c'est un binôme, X moins X0. Donc le signe de binôme, avant la racine, c'est moins signe de A. Après la racine, c'est le signe de A. X moins X0, c'est moins plus. Et ici, c'est F seconde de X. Donc il y a aussi moins. Et F seconde de X0, d'après la question de Rolle, c'est-à-dire, d'après la question 3A, on a F seconde de X0 égale à 0. Donc, égale à 0 ici, plus. Donc, il est clair que F seconde s'annule en X0 et F seconde change de signe au voisinage de X0. Donc, on a F seconde de X0 égale à 0 et F seconde change de signe au voisinage de X0. De le point I d'abscisse X0, F de X0, est un point d'inflexion. Donc toujours pour montrer est un point d'inflexion, il faut vérifier deux conditions. Première condition, donc I A B est un point d'inflexion. Si on a F prime de X0, si on a F prime, F seconde de A égale à 0, et F seconde change de signe au voisinage de A, alors le point I A F de A est un point d'inflexion. Et ici, F de A. Donc voilà comme propriété très importante. Maintenant, étudions les branches infinies 4A. 4A, étudions les branches 4A. Étudions les branches 4A. Infinies de C de F. Donc en étudiant, on plisse l'infini. On a la limite. Il est nécessaire de calculer la limite en plisse l'infini. Donc déjà, d'après la question 1, la limite de x tend vers plisse l'infini de f de x égale à combien? Égale à plisse l'infini. Maintenant, calculons f de x sur x. La limite, maintenant, de x tend vers plisse l'infini, f de x sur x égale. C'est la limite de x tend vers plus l'infini, on remplace f de x par 4x, l'exponentielle, moins x, plus 1 demi
x moins 1 sur x. On simplifie, on trouve que c'est la limite de x tend vers plus l'infini de 4 l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Il est clair que la limite de l'exponentielle moins x en plus l'infini égale à 0 ou 1 plus 2 x égale à plus l'infini fois 4 égale à combien? Égale à plus l'infini. Donc, égale à combien? Plus l'infini. Égale à plus l'infini. Donc, si le f ou bien c admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Maintenant, au moins l'infini, c'est-à-dire les branches, au moins l'infini. On a la limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale à combien? Égale à moins l'infini. Maintenant, calculons de même façon, calculons la limite de f de x sur x. La limite de x tend vers moins l'infini f de x sur x égale la limite de x tend vers moins l'infini. On remplace f de x. C'est 4x, facteur de l'exponentielle moins x, plus 1 demi x moins demi sur x. On simplifie x avec x. Il reste la limite de x tend vers moins l'infini de 4 l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Si on calcule la limite directe, on trouve que forme indéterminée parce que elle tend vers plus l'infini, parce que moins l'infini moins plus l'infini, ici c'est moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc calculons, donc maintenant on applique quoi? On applique les propriétés sur l'exponentielle ou bien les limites usuelles ou bien les limites fondamentales de la fonction exponentielle. On factorise par x. Il reste quoi? C'est la limite de x tend vers moins l'infini de 4x, facteur de l'exponentielle moins x sur x, plus 1 demi moins 1 sur x. Donc voilà. Maintenant, combien la limite? Il suffit de faire un changement de variable. Il suffit de faire un changement de variable. Il suffit de faire un changement de variable. On pose t égale à moins x. Alors, si on a x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc la limite de x tend vers moins l'infini de f de x sur x devient, c'est la limite de t tend vers plus l'infini. On remplace, c'est moins 4t. Facteur de quoi? L'exponentielle de t moins sur t plus 1 demi plus 1 sur t. Donc, demain maintenant, la limite de 1 sur t égale à 0. Donc, elle tend vers 0. L'exponentielle t sur t tend vers plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Ou ici, t tend vers plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, c'est égal à combien? Égal à, donc, moins l'infini ou t plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Car, on calcule formellement ici, la limite de t tend vers plus l'infini de moins 4t égale à quoi? Égale à moins l'infini. La limite de t tend vers plus l'infini de moins l'exponentielle t sur t plus 1 demi plus 1 sur t égale à combien? Égale à plus l'infini. Pardon, moins l'infini. Donc voilà, comme réponse, donc c'est de f de c de c admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées
au voisinage de moins l'infini. Donc voilà la réponse de la question 4A. Maintenant, 4B, la représentation graphique de la courbe C dans le repère OIG. Donc, je rappelle que pour 4B, donc pour représenter la courbe, on a besoin bien sûr de tableau de variation. Donc, X moins l'infini plus l'infini, si c'est F. 0, 1, on a dit que croissante, décroissante et croissante. F de 0, c'est 0. Et si c'est moins l'infini, plus l'infini, ou l'image de 1, c'est 4 l'exponentielle, moins 1, moins 2. Donc déjà, on utilise quoi? L'image de 1 égale à moins 0,5. C'est-à-dire, égale à moins 0,5. Donc, on trace le repère dans le tableau et on utilise bien sûr l'étude qu'on a fait sur la fonction. Un repère OIG. G. L'image. Donc, d'abord, on commence par les tangente horizontale. Donc au point 0, 0, admet une tangente horizontale. Voilà. Et au point 1, moins 0,5, voilà 1, 0,5. Donc on a besoin de 0,5. Donc voilà moins 0,5. Il y a aussi une tangente horizontale. Au voisinage de plus l'infini, la fonction est croissante. Au voisinage de plus l'infini, il y a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà branche parabolique. Et de même façon, au voisinage de moins l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc voilà. Donc le point E n'est pas demandé aux constructions. Ici, c'est tangente. Et n'oubliez pas que f de alpha égale à 0 avec alpha à partir de l'intervalle 3 sur 2, 2. C'est-à-dire que 3 sur 2, c'est 1,5. 1,5. Donc voilà 1, voilà 2. 3,5. Donc on suppose que alpha ici. Donc voilà la courbe C de F. C, c'est. Donc voilà C. Donc voilà la courbe C, ou bien la représentation graphique de la fonction F. Maintenant, on passe à. Voilà, il n'est pas demandé de représenter le point E. Maintenant, 5A, vérifions que 5A. Vérifions que, quel que soit x, à partir de l'intervalle moins l'infini, alpha, on a toujours f de x est négatif. Donc, dans la courbe, il est clair que la courbe existe au-dessus de quoi? De l'axe des abscisses. Donc, il est clair que entre moins l'infini, alpha, toujours la courbe est au-dessus de quoi? De l'axe des abscisses. Donc, pour montrer, donc, on doit montrer algébriquement. D'accord ? Ou bien on vérifie algébriquement. Donc si on a x entre moins l'infini et 0, regardez la fonction est croissante et majorée par 0. Donc si x à partir de l'intervalle moins l'infini 0, alors x il est inférieur à 0. Implique que f de x inférieur à f0 qui est égal à combien? Égal à 0 car f est strictement décroissante. C'est que l'intervalle sur
l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, si x appartient à l'intervalle, voilà alpha, position alpha. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors x il est inférieur à 1, c'est période 0. Ou bien c'est période 1. Ou puisque f est strictement décroissante, alors f de x il est inférieur à f de 0. Parce que la fonction est décroissante, il change bien sûr l'ordre de quoi? De l'inégalité. Car f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, si on a x, voilà, on a partagé l'intervalle moins l'infini alpha sur deux sous-intervalles moins l'infini 0 ou 0, 1 ou 1 plus l'infini, 1 alpha. Donc si x appartient à l'intervalle 1 alpha, alors on a x entre alpha ou 1. Implique quoi? Ou puisque f croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc il est croissante ou bien strictement croissante sur l'intervalle 1 alpha. Implique que f de x inférieur à f de alpha, qui est égal à combien? Égal à 0. Déjà, on a montré que f de alpha est égal à 0. Par le théorème ou bien par la conséquence du théorème de valeur intermédiaire. Car, pourquoi? Parce que f est strictement croissante, car f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et l'intervalle 1 alpha, il est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si on suppose, première étoile, on la note par 1, et deuxième étoile, on la note par 2, au troisième étoile, on la note par 3, alors, de 1 et 2, de 1, 2 et 3, on conclut que, quel que soit x, à partir de l'intervalle moins l'infini alpha, on a f de x, il est inférieur ou égal à 0. Donc voilà la réponse de la question 5a. Maintenant, b. Montrer que l'intégrale de 0 alpha de f de x égale à 2 sur 3 alpha facteur de alpha carré moins 3. Et après, on déduit que alpha il est strictement inférieur ou bien inférieur ou égal à racine 3 ou supérieur strictement à 3 sur 2. Donc la question 5b, on a l'intégrale de 0 alpha f de x de x égale à l'intégrale de 0 alpha. On remplace f de x, c'est 4x, l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 d de x. On développe l'expression de f de x. Maintenant, on peut effacer la courbe. Donc, égal à combien? Égal à l'intégrale de 0 alpha, 4x l'exponentielle moins x d de x, plus l'intégrale 0 alpha, 4x fois 1 demi x, c'est 2x carré, moins 4x d de x. On a utilisé la linéarité de l'intégrale. Donc, égal à combien? On peut poser ça égal à i. Donc, i plus l'intégrale, puisque c'est une fonction continue. Donc, elle admet une fonction primitive, où la primitive de 2x carré moins 4x égale à combien? C'est 2 sur 3, x à la puissance 3, moins 4 sur 2, c'est 2x carré entre 0 alpha. Qui est égal à combien? I plus 2 sur 3 alpha à la puissance 3, moins 2 sur 3, 0 à la puissance 3 égale à 0, moins 2 alpha carré. Donc c'est calcul direct. Maintenant, comment calculer I? I égale à combien? Égale à 4, on peut factoriser par 4, 0 alpha x, l'exponentielle moins x dx. Donc il suffit d'utiliser quoi? D'utiliser l'intégration par partie. L'utilisation de l'intégration par partie, on utilise la méthode de Alpes.
Pourquoi l'intégration par partie? Parce que la fonction n'est pas, ou bien la fonction, on ne sait pas quelle est sa primitive. Donc pour cela, on utilise la méthode de Alpes. A, c'est l'arc tangente. L, c'est l'ln. P, c'est le polynôme. E, c'est l'exponentielle. S, soit sinus, cosinus ou bien tangente. Donc l'intégration par partie consiste à supposer que deux fonctions u, v, alors l'intégrale sur u, v prime égale à uv moins l'intégrale v prime fois u. Donc on applique ça. On pose. On pose u de x. On a dit que on va utiliser Alpes. C'est-à-dire le choix de u de x, de quoi appartient la formule de Alpes. Alpes, c'est l'arc tangente, ln, polynôme, l'exponentiel. Donc polynôme, il est avant l'exponentiel. Pour cela, on pose u de x égale à x. Et v prime de x égale à l'exponentiel moins x. Alors, u prime de x égale à 1, ou v de x égale à moins l'exponentiel de x. Parce qu'on sait la primitive de l'exponentiel moins x. Maintenant, on applique i égale à combien? Donc i, puisque les fonctions i ou v sont dérivables, les fonctions i ou v et v sont dérivables sur R, en particulier sur 0 alpha, et leur dérivée est continue. Et continue sur 0 alpha. Voilà la dérivée. Et prime, c'est une fonction polynôme. Ou bien c'est une fonction constante, il est dérivable sur R. Il est continu aussi. V prime, l'exponentielle moins x, il est dérivable sur R. Il est continu. Et où V sont deux fonctions dérivables. Ou leur dérivée, bien sûr, il est continu. Donc maintenant, donc I devient quoi? I égale à 4. Facteur de quoi? UV. Combien U fois V, c'est moins X, l'exponentielle moins X, 0 alpha. Moins l'intégrale de 0 alpha, U prime. Regardez ici, c'est U fois V prime. Égale à combien? Égale à U fois V moins U prime fois V. U prime, c'est 1 fois V, c'est moins l'exponentielle de X. Donc, c'est moins l'exponentielle moins X d de X. Donc, égale à combien? Donc, égale à combien? Donc, c'est 4. Facteur de quoi? On remplace maintenant alpha. C'est moins alpha l'exponentielle moins alpha. Moins alpha l'exponentielle moins alpha. Moins 0. Il donne moins 0 fois l'exponentielle moins 0. Il donne 0. Moins, et la primitive de l'exponentielle, moins l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de moins x. Donc, moins l'exponentielle moins x, 0 alpha. Égale à combien? Égale à 4 fois moins alpha l'exponentielle moins alpha, moins l'exponentielle moins alpha, plus 1. Et égale à combien? C'est 4 facteur de quoi? L'exponentielle moins alpha. Facteur de quoi? Ou bien moins l'exponentielle alpha, alpha plus 1 plus 1. Qui est égal à combien? Moins 4 l'exponentielle moins alpha, facteur de alpha plus 1 plus 4. Donc on remplace l'exponentielle alpha égale à combien? C'est moins 4. L'exponentielle de L moins alpha c'est 1 moins alpha sur 2. Facteur de alpha plus 1 plus 4. Égale à combien? C'est moins 4. Alpha plus 1 moins alpha carré sur 2 moins alpha sur 2 plus 4. Qui est égal à combien? Donc, alpha moins alpha sur 2, c'est alpha sur 2. Si c'est moins 4 alpha carré, donc devient plus. Donc, plus 4 alpha carré, c'est 2 alpha carré. Alpha moins alpha sur 2, c'est alpha sur 2 fois moins 4, donc devient moins 2 alpha. Ou moins 4 fois 1, c'est moins 4 plus 4. On simplifie, on trouve que 2 alpha carré moins 2 alpha.
Donc devient quoi? Donc l'intégrale de 0 alpha f de x d de x égale à combien? On remplace i par 2 alpha carré moins 2 alpha plus 2 sur 3 alpha à la puissance 3 moins 2 alpha carré. On simplifie 2 alpha carré avec moins 2 alpha carré et on factorise par 2 sur 3 parce que l'objectif de montrer que égale à combien 2 sur 3 alpha facteur de alpha carré moins 3. Donc on factorise par 2 sur 3 alpha facteur de quoi? Alpha carré moins 3. C'est ça. Donc voilà le calcul de l'intégrale. Maintenant on déduit que alpha il est inférieur ou égal à racine 3 ou supérieur strictement à 3 sur 2. D'après la question, d'après la question 5a, on a montré quel que soit x, à partir de l'intervalle moins l'infini, alpha, f de x il est inférieur à 0. Ou puisque f de x est inférieur à 0, ou alpha supérieur, et alpha supérieur strictement 0, alors l'intégrale de 0 alpha f de x de dx il est inférieur à 0 parce que l'intégrale elle conserve l'ordre. On a utilisé l'intégrale et l'ordre. Donc implique quoi? On remplace l'expression de l'intégrale de 0 alpha f de x de dx égale à 2 sur 3 alpha facteur de alpha carré moins 3 inférieur ou égal à 0. Puisque alpha est positif, alors nécessairement alpha carré moins 3 est négatif. C'est-à-dire que alpha carré il est inférieur à 3. On applique quoi? La racine, parce que la racine est une fonction strictement croissante. Donc racine de alpha carré il est inférieur de racine 3. Implique quoi? La valeur absolue de alpha il est inférieur de racine 3. Ou puisque alpha positif, implique quoi? Alpha il est inférieur de racine 3. Ou déjà, on a montré que alpha appartient à l'intervalle 3 sur 2, 2. 2, alpha, il est supérieur 3 sur 2 ou inférieur ou égal à racine 3. Donc voilà la réponse de la question ou bien la déduction. Maintenant, calculer en fonction de alpha en centimètres l'aire de domaine plan limité par la courbe C et les droites d'équation respectives y égale à 0. Donc, l'aire ou bien la surface de plan limité, donc par définition 5C, par définition, l'aire de plan limité, il suffit d'appliquer la propriété par la courbe. L'aire du domaine, bien sûr, de plan limité par la courbe C et les droites Y égale à 0, X égale à 0 et X égale à alpha. Et il est en fonction de alpha égale à combien? C'est l'intégrale de 0 alpha, la valeur absolue de f de X moins 0 d de x fois l'unité de mesure. Ou l'unité de mesure égale à, c'est le modèle de i fois le modèle de g. Ou puisque le modèle de i égale à le modèle g égale à 1, 2, l'intégrale de a alpha égale à combien? C'est 0 alpha f de x d de x. Parce que f de x moins 0 égale à d de x. Ou puisque f est négatif sur l'intervalle 0 alpha égale à combien? Égale à moins l'intégrale de 0 alpha f de x d de x. Ou déjà, on a calculé l'intégrale égale à combien? Moins 2 sur 3 alpha fois alpha carré moins 3. Ou bien, c'est 2 sur 3 alpha fois 3 moins alpha carré pour éviter bien sûr d'écrire le moins. Donc, merci pour
votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.